Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo tips d'aujourd'hui, on va voir comment utiliser les effets de Kong sur d'autres modules ou même sur des VST. Ça va nous donner accès à un panel d'effets qu'on n'a pas en temps normal dans Reason. Ils sont intégrés au Kong et on a la possibilité de les utiliser sur n'importe quel type d'instrument et de source audio. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche pour avoir les différentes notifications de sortie de vidéo. Et c'est parti, on se retrouve dans Reason. Donc là, je vais prendre un module ID8, puisque c'est un des modules les plus basiques qu'on a dans Reason, donc avec le moins d'effets possible, etc. Et là, je vais charger un Kong. Donc je vais appuyer sur Shift, parce qu'en fait, on a deux possibilités de câblage que je vais vous montrer. Hop, je retourne mon rack. En bas, ici, vous avez la flèche Show Drum and FX. La première solution, donc, c'est de câbler l'effet directement en insert ici, c'est à dire je prends mon in, je vais hop ici, je prends mon out, je l'envoie ici, et lorsque je retourne mon rack et que j'appuie sur les touches de mon piano, comme vous pouvez voir au niveau du bus FX ici, le son passe bien à l'intérieur. Donc maintenant, rien ne m'empêche de prendre ma reverb. De prendre donc ça va nous donner accès au compresseur, au filtre, overdrive, equalizer. Hop. Ça, c'est un générateur de bruit. On va avoir aussi modulateur en nano. La reverb, on l'a déjà vu. Et le transient shaper qui va être hyper utile pour ce qui est pour tout ce qui est drum. Exemple, si je prends donc grâce au transient shaper, devient bien plus percussif, bien plus tranchant, naturel. Voilà, c'est un transient shaper d'origine, il n'y en a pas directement dans Reason. Donc là, ça nous permet d'avoir accès à cet effet. Alors ensuite, rien ne vous empêche d'utiliser différents éléments pour combiner différents effets. Puisque là, pour pouvoir utiliser ces effets, là je me suis mis comme ça en insert. Rien ne vous empêche après de reprendre un autre Kong. Donc Shift, j'intègre le Kong, j'ouvre le Show Programmer, voilà. Et voilà,
Là, j'ai recréé une chaîne d'effets et ce qui fait que maintenant, j'ai un Kong supplémentaire. Donc, admettons, là, j'ai mon transient shaper. Si dessus, j'ai envie de rajouter compresseur. Filtre après vous faites comme vous en avez envie. Là, ça fait l'équivalent d'un câblage en série. Si on utilise un splitter mergeur audio, on pourra le faire en parallèle. Bah, on pourrait très bien se taper le trip. Annuler. Donc là, j'étais en série. Je vais aller chercher. Là, je vais prendre. Utilitaire. Il faut en prendre un pour l'aller, un pour le retour. Je vais en placer un là et je vais en placer un ici. Ensuite, de là, je vais là. Je vais là. Fait que maintenant, si je prends mes in, si je prends mes out, maintenant on a bien le son en parallèle. Ce qui veut dire quand on est en parallèle, si j'enlève le transient, je vais mettre deux effets bien distincts. Là, je vais mettre la réverb. Là, on a bien notre réverb. Et là, je vais mettre l'écho. On a l'écho. Je retire la réverb. On n'a plus que l'écho. Je retire l'écho. Naturel. Donc là, nos effets fonctionnent en parallèle, l'un à côté de l'autre. Tout à l'heure, je les avais montés en série, l'un après l'autre. Donc voilà pour ce petit tips, hein, d'utilisation des effets du Kong sur d'autres modules. Après, il n'y a plus qu'à. Voilà. Voyez, rien ne m'empêche, par exemple, si j'ai envie d'aller mettre sur le premier, je vais mettre un compresseur. Et sur le deuxième, je vais aller mettre le shaper. Avant, après. Et voilà.
Et un transient shaper, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'en a pas dans les effets natifs de Reason. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, lâcher un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut!